Et yo tout le monde, c'est Psycho, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur le jeu, un jeu Marvel, Strike Frost. Qu'est-ce que c'est ce jeu? Donc vous disposez des héros, et vous devez donc former votre équipe et faire des missions tout simplement, et combattre les méchants et débloquer plein de héros. Et voilà, c'est parti, on va faire la campagne, let's go. Le guide Hydra enlève des héros et les enferme dans les orbes. Et confie Hydra une fois qu'elle les a entre les mains. Quelque chose me dit qu'on va bientôt le savoir. Alors là, comme vous voyez, j'ai Spider-Man, j'ai... Merde, je sais plus comment ça s'appelle. Punisher, je pense. Et une meuf qui soigne, tout simplement. Alors, c'est parti. On va mettre... Bon, on va faire comme ça. Donc là, j'ai mes petits pouvoirs, hop. Des petits combos Spider-Man, ça fait cool. Paf. Voilà, chef 2. Il est reculé. Ah, parfait, d'autres héros pour le chef. Et je n'ai même pas eu besoin de vous courir après. Wow, putain. La merde, elle est morte. Tous les armes sont transportées au centre de la base. C'est là qu'on trouvera nos réponses. On va commencer par les plus faibles. On va faire celui-là d'abord. Oh, les combos, ça c'est bon ça. Non mais c'est une blague. C'est du foutage de gueule. Spider-Man, t'es le meilleur. Oh. 10 heures dimensionnelles des soldats génétiquement modifiés, c'était pas le bon jour pour sécher les cours et m'engager dans le strike. Yes. Le colonel Fury a dit que tu manquais de puissance de feu. Et c'est toi qui m'envoies. Oh, la situation est pire que je pensais. Ne t'inquiète pas, je ferai tout pour mener la mission à bien. C'est bien ce qui me fait peur. Ah non, vous pouvez pas passer du bras et sinon vous allez vous soumettre tout le monde. C'est parti, on va commencer par les plus faibles. Alors, ça c'est quoi ça? Okay. Ah, ok. Alors lui, alors qu'est-ce qu'il fait? Wow. Il renvoie les sorts très importants dimensions avec toi.
Les meneurs d'Hydra envoient les orbes dans ce portail dimensionnel. Je m'en occupe, dégagez d'entre mes pattes. Qu'est-ce que je pense ? Punisher, si on veut y arriver, il faut qu'on travaille en équipe. D'accord, d'accord, qu'est-ce que tu proposes ? On neutralise les meneurs d'abord pour les empêcher d'envoyer les orbes. Je te laisse diriger la manœuvre, Cage, mais si ça tourne mal, je prends les choses en main. Et je peux avoir encore un membre en plus. Putain, mais on peut en avoir 5, je pense, alors. Hein. Les meneurs d'Hydra envoient les orbes dans ce portail. Il faut arrêter avant qu'ils les fassent tous passer. Oh putain, ils sont 6. Cette mission a un objectif spécial. Neutraliser les meneurs d'Hydra avant qu'ils arrivent à l'étape 4. Ok. Ok. On a empêché Hydra d'envoyer les orbes par le portail. Mais quelque chose me dit que c'est loin d'être terminé. Dans mon sens dernier, ça arrive comme jamais, il y a quelque chose de mort qui arrive. Et maintenant, on neutralise des étranges types bleus qui gardent le portail et on le détruit. Dit comme ça, ça paraît facile. C'est quoi ces extraterrestres bleus autour du portail? Tant qu'ils tombent, quand je tire dessus, je m'en fous. Alors. Oh lui shit, c'est mal. Celui qui était moins fort mais tout aussi effrayant, pourquoi il nous a attaqué? Ce n'était pas Hulk de notre planète, mais une version corrompue venue de notre dimension. Une quoi? On rentre à la base, étant de vous dévoiler le vrai rôle du Strike et la nature de l'adversaire. Ah ça y est, on a enfin besoin de savoir. J'ai créé le Strike pour répondre aux menaces interdimensionnelles. Le truc contre lequel même les aventuriers et le Shield ne sont pas équipés. Et donc c'est à ça qu'on a affaire. Absolument, il y a des portails dimensionnels ouverts partout dans le monde. Il en sort des versions corrompues des êtres les plus dangereux du monde. On est les seuls à pouvoir les arrêter. Ça va chier. Oh, œil de faucon. On ne pourrait pas juste être amis et chanter des chansons? Ce ne sont pas les héros d'autres dimensions. Ce sont des doubles corrompus d'autres dimensions. Neutralisez-les. Voilà, c'est parti. On va commencer par lui. Bientôt tous se prosterneront devant leur nouveau roi, Black Panther.
victoire. Et voilà les gars, c'était le jeu Strike Force. J'espère que ça vous aura plu. Hop là, pardon. N'hésitez pas à mettre un like, commenter et on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'est un très bon jeu, donc je vous le conseille vivement. En plus, il y a beaucoup d'action et les styles de combat sont assez stylés. Donc n'hésitez pas à le télécharger, c'est toujours gratuit et il est disponible donc sur Android. Allez, bye tout le monde, ciao.